un business forum à l'intercontinental et en fait c'est dans le cadre de la participation de 70 délégués qui sont en fait la plupart des CEO de l'Afrique qui suivent en fait un executive education training avec Harvard Business School. Donc, moi-même en tant qu'alumni et en partenariat avec Gibbs, que l'on représente à Maurice, et qui est associé à Harvard Business School pour ce programme, on a décidé d'organiser un business forum avec IDB sur le thème de investment impact, mais dans une approche de leadership collaboratif, parce que c'est clair que Maurice a toujours joué un rôle de leadership en termes de doing business, mais aussi en termes de leadership politique. Donc, on voulait qu'il y ait d'une part un échange entre les CEO de Maurice et de la région pour voir en termes d'échange d'idées ou de business qu'est-ce qui pourrait être fait. Et à ce propos, le ministre Boda a été le guest of honor, donc il a fait un keynote address sur le thème du leadership collaboratif et il a mis en avant l'importance en fait de la coopération régionale et de pouvoir saisir les opportunités au moment opportun pour BIM sur le développement de la région. Mais il a aussi mis beaucoup en avant les facteurs clés du développement, d'un développement durable pour la région. Et je pense que la délégation présente étrangère de la région a énormément bénéficié de cette vision. Et ça a été aussi complémenté par une présentation des opportunités d'investissement par le CEO du IDB, M. François Guibert, et c'était suivi par un networking cocktail. Donc, c'était juste saisir l'opportunité de cet événement organisé sur le sol mauricien par Harvard Business School pour pouvoir permettre à la communauté des affaires un échange dans un contexte sélectif.